Salut à tous et à toutes les copines et les copains. Aujourd'hui on se retrouve sur une grosse vidéo. La dernière vidéo, vous le savez, hein, je les tourne à la suite. Je vous ai dit que peut-être que les tripacks étaient pesables. J'étais pas assez sûr. Du coup là les amis, c'est très simple. Il me reste 4 tripacks. J'ai pris mes 2 plus lourds contre mes 2 plus légers. On va ouvrir les 4, ça nous fera 12 boosters ténèbres brasés en plus à ouvrir. Je suis assez pressé en plus de les ouvrir, j'avais vraiment envie de les ouvrir. Et du coup on va voir ça tout de suite. Je vais prendre ma balance, elle est juste ici, et je vais vous montrer déjà les lourds et les légers. Donc je vais vous montrer ça, comme ça au moins il n'y aura pas d'arnaque. 97-47 pour le léger. 97-44 pour le léger. Ici on aura les lourds. 98-11. Et enfin, 98-44. Les amis, on va pas perdre de temps, on a beaucoup de boosters à ouvrir. C'est parti pour un 1 contre 1 de booster. Les amis, on est parti, on va commencer avec le premier tripack léger. Là, c'est, ça va être la... tout ça à la fourchette, enfin à la cuillère. Vous savez que là, ça va être le moment de vérité. J'espère sincèrement que, bah, déjà, on aura, je parle déjà qu'on aura de la chance, déjà. Hein, parce que la première chose, c'est déjà j'aimerais avoir des boosters cool. Et surtout bah, que tout ça n'est pas vrai. Alors voilà le petit Evoli comme d'habitude en promo. Et je vous donne bien sûr le code promo. On est parti, premier booster les amis. On va pas perdre de temps, 12 boosters aujourd'hui à s'ouvrir. Donc là normalement on est sur les boosters légers. On ne devrait donc rien avoir. Hop, 1, 2, 3 et 4. Hop, c'est parti, on retourne. Et on commence avec une énergie. Chéreuse, Lampignon, Ombrelle géante, Gringolem, Ambrilex, Paras, Sapero, Meltant en reverse, Mr. Glaguette et Salarsen en holographique. On est pourtant sur un truc extrêmement léger, on est sur mon plus léger, donc regardez comme quoi. Voilà, normalement on devrait ne rien avoir. Donc là c'est cool, là c'est vachement cool, donc ça nous montre que les tripacks, je pense que ça va aller. Franchement je pense que ça va aller, pour moi c'est pas possible de les peser. Ah ça fait du bien, bon, on espère avoir de la chance alors. On est parti pour 12 boosters, on espère, j'espère avoir quelque chose. Énergie, Vieux PC, Galégon, Flamoutant, Ambrilex, enfin, vous avez l'habitude de ces Pokémon, Goupilou qui est magnifique, Scrutella, un sort bébé, une énergie en reverse, et on aura Galeking en holographique, deux holographiques sur un léger les amis, deux holographiques sur un léger, donc bon là, je pense que ça ne trompe pas, deux holographiques ça pèse, hein. Les holographiques pèsent vraiment lourd, donc pour moi je pense que là, on est sur... sur quelque chose qui va... qui tue en fait la théorie. On va voir ce qui va se passer sur les lourds. On va voir ce qui va se passer sur les lourds. Donc énergie, Efflèche, Celeroc, Flotoutant, Feuille à joue, Skitty, Tic, Tadmor, Monsieur Mime, Hippo, et on a une V. Donc là, non, c'est bon. C'est terminé. Alors bon, je l'ai tellement de fois, ce Flagados, mais là, c'est bon. On a ce qu'on voulait savoir. Regardez, je vais bien vérifier que c'était bien le léger. Regardez, je vais peser le lourd. Mais là, deux holographiques, une V dans un tripack et c'est un léger. Regardez, 98-48, vous ne voyez pas. Mais je me suis pas trompé. Donc là, on va ouvrir le lourd. Mais je pense que c'est bon. On est sûr et certain qu'on ne peut pas peser les tripacks. Et ça, c'est vachement cool, je pense. On va voir comment ça va se passer sur les lourds. On a deux lourds encore à ouvrir. Mais là, je pense que, voilà, au moins là-dessus, on est fixé. Dans la dernière vidéo, on n'était pas fixé. Mais là, au moins, on va être fixé très facilement. Hop. Tac. Attendez, hop là. Je galère un petit peu. Hop là. Et super, voilà. Allez. Le tripack lourd. Et là, vous allez voir, on va rien avoir. Alors, si on n'a rien sur le tripack lourd, ça serait vraiment très drôle. Hop. Le code 1, 2, 3, 4. Et franchement, j'espère limite ne rien avoir. Après, bon, c'est chiant, j'ai eu que des doubles sur le léger, mais bon, c'est pas grave. Clic. Prédastérie. Énergie puissance. Armure. Scrutella. Magnifique. Paras. What? Quaneton. En reverse. Toxizap. Et on n'aura rien. Très bizarre, hein. Ce qui se passe, c'est très bizarre. Mais au moins, on est sûr que sur ma dernière vidéo, c'était de la chance. Hein. Je pense que c'était de la chance sur ma dernière vidéo. Donc hop, on est parti. Comme ça, au moins, on est sûr que bah, c'est que de la chance, en fait. Hop. 1, 2, 3, 4. Énergie. Cap d'endurance. Smashing.
Parasect, Gringolem, Hippopotasse, Pyronil, Mimigal, Rond Gourmand, en reverse Diamat, et on n'aura rien à Libégon. Et je vous assure que c'est le lourd, hein. Je vous assure que c'est le lourd. Hop, et dernier booster. Donc là, au moins, je pense qu'on est fixé. Limite, j'aurais pu m'arrêter là sur la vidéo, mais je pense que là, franchement, un léger qui nous donne 3 cartes lourdes, normalement. Donc, je pense que ça a été corrigé par Poké Compagnie. Hippopotasse, Chaclipan, Barfo. Et là, on va voir un lourd sans rien. Bon, et à 3, on a une holographique. Voilà. Donc, là, au moins, vous avez... je pense que là, au moins, on a la confirmation. Quand même, c'était un lourd. Donc là, je comprends pas trop. Il nous reste donc 2 tripacks. Je vous les montre. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'arnaque. Voilà, les 2 tripacks sont là. Je pèse celui-là devant vous en caméra. Tac. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Hop. Alors, en fait, j'ai pas la place à cause de... Bon, attendez, je vais faire ça. Attendez, pardon. Tac. Comme ça, moi. Hop. Ah, mince. Regardez, 97,49. Et là, 98,14. En plus, j'ai vraiment ouvert le plus lourd. Hein. J'ai ouvert le 98,50 où on n'a eu qu'une seule holographie. Donc, comme quoi. Hop, pardon, je suis en train juste de remettre. Donc, super. Allez, c'est parti. Donc, au moins, franchement, ça me rassure. Je pense que c'est pas faisable. On est parti pour le léger. Tac. Tac. Le petit jeton. C'est parti les amis. On est parti pour le premier tripack. Hop. Et c'est le léger. 1, 2, 3 et 4. Énergie, et flèche, fortifiant turbo, Cabu, Polarum, Galekid, et Tourmi, Chaclipan, on a quelque chose derrière, on a quelque chose derrière, Watt, et wouh, let's go, une V-Max, sur un léger, les amis, c'était bien celui de gauche, hein, sur un léger, bah franchement, au pire, vous pesez, vous prenez les légers, hein, non mais là, franchement, c'est terminé, la théorie est finie, c'est que de la luck, en fait. Et bah let's go, ça me fait une VMAX en double, voilà, en Goliath que j'avais déjà, j'aurais préféré bien sûr avoir une autre, mais franchement là c'est super drôle parce que c'est le léger qui nous met bien. Donc ça c'est vachement cool. Hop. Ah pardon, j'ai du mal à ouvrir les boosters aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Tac. Hop. 1, 2, 3 et 4, ah ça me rassure de ouf. Franchement, vous le savez, dans la dernière vidéo, j'étais vraiment pas bien. J'étais en mode, ah oui, on peut vraiment peser les tripacks, mais en fait, non, pas du tout. Là, je pense que les gens, ils vont croire que j'ai inversé les lourds et les légers. Je pense, hein, parce que bah, c'est un truc de fou. En fait, on a rien sur les lourds et sur les légers, bah, on a eu une VMAX, un truc avec triple holographique. Donc au pire, voilà, peser les légers. Peut-être que c'est ça la technique qu'il faut faire. Mais bon, au moins, on est sûr que c'est souvent random et ça c'est cool. 1, 2, 3 et 4, c'est parti. Tac. Énergie. Solarock. Oh là là, pardon, j'ai pris toutes les cartes. Polythéiste. Sorboule. Toxiza. Sapero. Sofkipou. Polarum. Hermure. En reverse, on aura clic. Et on aura rien. Un grand boule que je n'avais pas. Donc ça c'est cool pour la collection encore une fois. Je commence à vraiment bien m'approcher hein, de ce set complet de ténèbres embrasées. Bon bien sûr il va manquer beaucoup de cartes. Et enfin on va ouvrir le lourd. Donc au moins là on est fixé. On va voir avec ce lourd qu'est-ce que ça va nous donner. Mais de toute façon une VMAX sur un des boosts, sur un des paquets les plus légers que j'ai eu. Je pense que c'est assez révélateur que bah, les tripacks ne sont pas pesables. Hop. Et c'est parti. Allez, dernier tripack. Et au final, on s'est ouvert 12 boosters quand même en vidéo. Hein. Donc voilà, Kibiki fait des tests pour vous. Comme ça, au moins, vous êtes sûr, vous pouvez acheter vos tripacks sans problème. Et je tourne cette vidéo vraiment à la suite de la première vidéo. En vous voyez, je suis habillé pareil. Enfin, c'est vraiment 5 minutes après parce que j'étais pas bien à la fin de la vidéo. J'étais en mode, ah ouais, quand même, c'est grave si on peut vraiment peser. Hop, Froussardine, Spododo, Flamajou,
Teddy Ursa, Clément de la Tibielle et aussi quand même, ou pas, un holographique qui est magnifique. Je l'avais pas, je suis grave content. Enfin, franchement, je suis grave content. Et si vous souvenez bien de tous les lourds, là on a ouvert 3 lourds. Dans les 3 lourds, je n'ai jamais eu de VMAX. Enfin si, j'ai eu une fois le Scroll au centre, mais c'est tout. Donc tac, énergie, Flamoutant, énergie chaleur, Ursaring, Snowball, Watt, Flamajou, Soloshi, Charibari, aïe aïe aïe, je crois qu'il y a quelque chose en dessous, et Eternatus V qui tombe sur ce lourd. Donc ça fait encore des doubles, là. Moi je vais devoir commencer à échanger mes doubles. Donc bah, au moins là vous êtes sûr. Sur le léger comme sur le lourd, on a eu des trucs. Comme ça au moins, je pense qu'il n'y avait pas mieux. On pourra pas m'accuser d'avoir inversé les trucs ou quoi. Comme ça là vous êtes sûr. Énergie. Et ce sera notre dernier booster aujourd'hui. Mesmerella, Vibranymph, Goupilou, Scrutella, Sorbébé, Sapero, Quatermark, Sorbeau, et on termine avec gros tas de morve. Les amis, on termine avec quand même une belle ouverture. Les taux étaient bons. Alors oui, c'est vrai, je n'ai eu qu'une seule carte que je n'avais pas. Mais bon, va falloir que je commence à faire des échanges, etc. Donc on a eu ce Eternatus très très bien. Poupa, que je n'avais pas. Angoya Vmax, qui est super belle. Flagado, j'en ai 4. Galeking, j'en ai 3. Et Atran, j'en ai 8. Et Salarsen, j'en ai 8. Du coup, bon, c'est, je vais faire des échanges pour compléter tout simplement Ténèbres Embrasées. Donc, en tout cas, cette vidéo a pu enfin terminer ce test. Et on est content de le savoir, les amis. Il n'y a pas de pesage possible sur les tripacks. Comme ça, au moins, on est tous d'accord. On peut souffler. Donc là vous l'avez vu, hein, il y a eu un léger avec une VMAX, il y a eu un lourd avec seulement des V, un léger avec 3 holographiques, rien de grave. Les amis, j'espère bien que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à smasher cette barre d'abonnement. On a pu enfin rétablir la vérité, les seules choses pesables sont les boosters, donc faites attention pour les boosters en loose, mais sinon les tripas, etc, tant que c'est scellé, il n'y aura aucun souci. Mangez bien, dormez bien, mais surtout restez carré solide, restez fan de Pokémon et prenez soin de vous, des bisous tout le monde.